J'ai écrit ce livre parce que je me posais la question de comment le piéton ordinaire, vous, moi, tous ceux qui sont dans les rues, perçoivent le travail que font les designers pour faire le mobilier urbain. J'ai beaucoup travaillé avec des designers et je m'apercevais que les designers ne font que très rarement des études sur la perception a priori. Et donc j'ai mis ça en chantier et je me suis intéressée sur la perception, l'œil, le cerveau et tout ce qui se passe dans le corps, mais aussi sur tout le côté phénoménologique, le côté sensible et les émotions. Et je suis arrivée à plusieurs concepts, plusieurs manières. Je me suis rendu compte que dans la rue, on voit en imaginant, en pensant, tout le côté phénoménologique, mais aussi on voit pour, la plupart du temps, pour se protéger, pour trouver la bonne pharmacie. Et donc, il y a tous ces phénomènes à la fois objectifs et subjectifs qui cohabitent. Et très vite, je me suis dit, il faut que je fasse une enquête. Et j'ai interviewé in situ dans la rue avec un petit iPod des piétons sur le même parcours, et à trois d'entre eux j'ai mis un oculomètre portable. À l'époque c'était encore un casque et ça me restituait leur regard trois fois par seconde. Chaque fois j'avais une petite croix et j'ai pu le croiser avec ce qu'ils disaient. Et comme tous ces piétons avaient cheminé sur le même chemin dans Paris, j'étais devant une masse d'informations passionnantes et je me suis rendu compte qu'en fait la perception, elle se fait dans le temps. On va voir cet abribus au loin et puis plus on va s'en rapprocher, plus on va comprendre et on va se dire « Ah ben je vais peut-être retrouver un autobus ou peut-être je vais pouvoir m'asseoir sur le banc ». Et j'ai fait comme ça toute une série de petites intrigues autour de ces grands concepts que j'avais construits du voir en, du voir pour, de l'intention, de l'imagination, de tous ces phénomènes. Tout en travaillant, je me suis aperçue que tout ce travail devait enrichir non seulement le travail des designers, mais aussi permettre aux aménageurs, aux financeurs, de donner une véritable dimension à la rue. Pas seulement une dimension fonctionnelle, de faire que le piéton ne soit pas écrasé par les voitures, qu'il y ait des voies bien séparées, mais vraiment une dimension sensible où l'émotion est sa place, qui n'est pas de l'émotion à tous les pas, sinon on allait se casser la figure, mais qui est une véritable réflexion à la fois sur les sols, sur les masses, sur les couleurs, mais aussi sur les vents, sur les odeurs, sur les bruits, et que tout ça puisse enrichir l'espace public et fasse un véritable métier de design urbain.